I want to give a positive message, especially to young people, to good people, to say, be yourself. Don't let what is around you stop following your dream, stop pursuing your dream. So the fashion needs to move forward, to break barriers, and to keep dreaming, to keep making people dreaming. J'aime qu'il y ait des choses que je n'aime pas, justement. C'est ça qui est intéressant. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que si tout était lisse et sans relief, ce serait chiant. Moi, j'aime bien que, justement, il y ait des choses qu'on aime plus, parce qu'il y a des choses qu'on aime moins. L'idée de cette vidéo est à la fois de montrer des images et des paroles qui me touchent. Je suis d'accord avec Isabelle Marant lorsqu'elle évoque l'idée qu'il doit y avoir des choses qui nous déplaisent lorsque l'on crée. Et je me pose les mêmes questions que Marc Jacobs sur l'éventualité d'une hiérarchie des disciplines créatives. Ces questions me sont indispensables. J'aime essayer de comprendre et surtout d'élargir le discours à d'autres disciplines comme Marc Jacobs et Elizabeth Payton. Décor. Car mon expérience dans la fabrication de décors m'a montré les coulisses d'un défilé et l'euphorie qui s'y déploie. J'ai tendance à comparer un défilé à de l'opéra, car c'est aussi une sorte d'art total et de spectacle incroyable qui s'exécute sur une période donnée. Artisanat. Car je suis fasciné par les savoir-faire comme le tissage, la couture ou la broderie. La mode permet leur conservation. Ma mère étant styliste, elle m'a initié au dessin et à la couture très jeune. C'est elle qui m'a transmis le goût de la confection. Fabrication. Car j'ai toujours vu des portants, des rouleaux de tissu et des tables de coupe chez mon père, qui est fabricant de prêt-à-porter.
Mon oncle fabriquait des pulls en maille, ma grand-mère des robes, mes grands-parents étaient selliers. C'est sans doute grâce à toutes ces images que j'ai en tête et à leur influence avec le temps qu'aujourd'hui je me projette naturellement dans votre établissement.